Je vous présente Adma. Ensemble, nous allons vivre une très très grande histoire d'amour. Madame Jasmin, bonsoir, je me présente. Moi, c'est Adma. Dans le jargon de la téléphonie mobile, on pourrait dire que je suis une sorte de forfait bloqué. C'est vrai que si je devais me définir, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme un tronc en pleine opération pièce jaune, mais dans la fente duquel, malheureusement, eh bien aucun homme ne glisse jamais rien. Et c'est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que même si vous avez des faux airs, de ce monsieur porté sur la chose que la police d'Île-de-France recherche activement. Depuis la fin de décembre, qu'on reçoit un humoriste de talent qui est bien qu'originaire de... Excellent. Qui est bien qu'originaire de la charmante bourgade de Villiers-le-Bel a réussi l'exploit de mettre le feu à autre chose qu'une bagnole de flic. Et pourtant, question fréquentation, vous auriez pu mal tourner dans le sens où j'ai découvert qu'en plus d'avoir collaboré artistiquement parlant avec Jérôme Darra, ce qu'il faut bien avouer, peut-être rapidement assez déprimant, à 12 reprises. On adore Jérôme ici, ah, on l'a reçu. Et monsieur l'exomile. Et bien, comme si ça ne suffisait pas, à 12 reprises, vous êtes dangereusement approché de cette sorte de déchet radioactif de l'humour qu'est Laurent Ruquier. À son émission, on ne demande qu'à en rire à une émission. J'ai pénétré son cercle. Exactement. Il devait être content. Tu vas l'élargir bientôt. Une émission sans laquelle vous n'aurez probablement jamais eu à endurer le fait de me retrouver à l'affiche des dimanches de Verino que j'embrasse affectueusement. Et à propos d'associations improbables, vous avez déclaré sur RTL que contrairement à Jean-Marie Le Pen, qui en plus de dire beaucoup d'énormités est physiquement assez dégueulasse, et ce même pour des mortes de faim de mon espèce, et bien contre toute attente, vous avez déclaré ne pas être insensible au charme de Marine, dans le sens où si elle était prête à fermer les yeux sur votre petit ascendant Kirikou, et vous savez quoi, j'ai envie d'y voir un signe, car je suis qu'à mon petit niveau. Il y a eu la chance d'être élevé par un peur qui, en sa qualité de CRS, a consacré beaucoup d'énergie, et ça depuis toujours, pour me transmettre aussi bien sa syphilis que son amour immodéré pour la flamette tricolore. Et bien sachez que même si contrairement à Marine, aucun homme aussi facho soit-il n'a jamais accepté de glisser quoi que ce soit dans mon urne, et bien pour autant, j'aime autant vous dire que je ne verrai absolument aucune objection à l'idée de vous laisser squatter l'accès au cave de mon immeuble, si vous voyez ce que... Et à propos de descendre à la cave, justement, vous racontez qu'en matière de drague, contrairement au blanc qui est patient et fourbe, et bien le noir a la particularité d'être chaud et impatient, avec ce besoin constant de se frotter, une particularité qu'on retrouve également chez le labrador. Car je sais qu'à mon petit niveau, il y a toujours eu des rapports aussi excellents que furtif avec Sultan, le berger de mon tonton Léon, qui malheureusement a toujours été un véritable sac à puce, et bien sachez que je serai absolument ravie à l'idée de vous laisser vous frotter sur les différentes zones picotantes de mon anatomie, si vous voyez ce que je... Sur ces petites confidences, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien plein grand froid oblige, j'irai à la station glaciaire pour essayer d'apporter un peu de chaleur au SDF des alentours, donc si comme moi vous croyez aux vertus de la chaleur humaine, eh bien n'hésitez pas à me rejoindre. À bon 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 bon